Bonjour. Bienvenue une fois de plus à votre MOOC Certis School. Et ce jour, nous intervenons une nouvelle fois dans le cadre du webinaire intitulé Les forums de discussion, avantages et inconvénients. Le forum de discussion désigne des discussions de groupe dirigées par un animateur. Les participants au forum sont invités à faire part de leur réflexion à propos d'un thème qui a été posté par l'animateur du forum et sur la base de leurs opinions et de leurs expériences personnelles. Chacun est encouragé à se situer par rapport à sa propre perception du thème et aux réactions des autres membres du forum. Les avantages et inconvénients sont les suivants. Avantage, par exemple, les membres du forum choisissent librement à quel moment apporter leur réponse au thème posté dans le forum, dont le travail se fait en asynchrone. Chacun choisit le moment et mûrit sa réflexion avant de poster sa réaction dans le forum. Deuxième, l'inconvénient. L'inconvénient du forum de discussion se situe au niveau effectif de l'absence de synchronisation des réactions des membres. La liberté donnée aux membres pour réagir dans le forum fait que certains réagissent tard et ne permettent pas aux autres membres du forum de profiter du contenu de leur réaction qui serait arrivée tard dans la réflexion. Et que, en fait, il n'y a pas une pression particulière sur les membres du forum pour qu'ils apportent leur avis. Et on constate très souvent aussi que plusieurs membres dans les forums ne réagissent presque pas du tout. Voilà le principal inconvénient des forums de discussion. Et dans le cas de la formation, vous avez des petits groupes qui ont été formés. Vous avez un forum de discussion dans lequel vous êtes interpellé pour apporter vos avis sur des thèmes qui ont été postés par des animateurs de la formation. Et nous vous orientons vers un ouvrage du professeur Thierry Carsenti intitulé Guide d'organisation des forums de discussion, à partir duquel vous en saurez davantage sur l'utilité et l'organisation des forums de discussion. Je suis le docteur Pierre-Célestin Tertu. Merci une fois de plus pour votre participation à cette formation Certiscope du programme Apprendre.